Buongiorno, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Comme est dans son habitude maintenant, le Saint-Père arrive très tôt sur la place pour saluer les nombreux fidèles et tout particulièrement ces petits bouts de choux que vous voyez. C'est toujours un moment de grande joie. Le Saint-Père salue donc les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Il fait très beau aujourd'hui sur la ville éternelle. Et le Saint-Père devrait ouvrir cette audience d'ici quelques minutes.
Le Saint-Père ouvre cette audience, audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. Parola di Dio. De la lettre de Saint Paul, l'apôtre aux Éphésiens. Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes citoyens du peuple saint, membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. So then, you are no longer strangers and sojourners, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built upon the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone. The word of the Lord. Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Brüder und Schwestern, ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Der Schlussstein ist Christus Jesus selbst. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. Palavra do Senhor.
قراءة من رسالة القديس بولس لكنيسة أفسس. فلستم إذن بعد اليوم غرباء أو نزلاء، بل أنتم من أبناء وطن القديسين ومن أهل بيت الله، بنيتم على أساس الرسل والأنبياء، وحجر الزاوية هو المسيح يسوع نفسه. كلام الرب. Z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Bracia, nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Bonjour. Quando noi recitiamo il credo, diciamo. Lorsque nous récitons le credo, nous disons « Je crois l'Église une, sainte, catholique et apostolique ». Je ne sais pas si vous avez réfléchi sur la signification qu'il y a à l'expression « l'Église est apostolique ». Peut-être parfois, en venant à Rome, vous avez pensé à l'importance des apôtres, Pierre et Paul, qui ici ont donné leur vie pour témoigner, porter l'Évangile. Mais c'est plus que ça. Professer que l'Église est apostolique, cela signifie souligner le lien profond, constitutif, que l'Église a avec les apôtres, avec ce petit groupe de 12 hommes qui Jésus un jour appelait vers lui. Il les appelait par leur prénom afin qu'ils restassent avec lui et pour les envoyer prêcher. Apôtre, en effet, c'est un mot grec qui signifie envoyer, envoyer donc. Un apôtre, donc, est une personne qui est envoyée faire quelque chose. C'est un mot fort. Et les apôtres ont été choisis, appelés et envoyés par Jésus pour continuer son œuvre, c'est-à-dire prier. C'est le premier travail d'un apôtre, prier. Et ensuite, annoncer l'Évangile. Annoncer l'Évangile. C'est important parce que lorsque vous pensez aux apôtres, on pense aux apôtres, nous pensons que seulement eux ont été envoyés pour annoncer l'Évangile, faire des œuvres, réaliser des œuvres. Mais pendant les premières périodes de l'Église, il y a eu un problème, parce qu'ils faisaient beaucoup de choses qui ne pouvaient pas avec le temps. Ils ont fait donc les diacres, ils ont créé les diacres, parce que pour eux, ils restassent donc le temps
Prier et annoncer la parole de Dieu. Et lorsque nous pensons aux successeurs des apôtres, les évêques, tous les évêques, le pape aussi est un évêque, nous devons nous demander si ce successeur de l'apôtre prie vraiment et ensuite il annonce l'évangile. Voilà ce que veut dire être apôtre. Et c'est pour cela que l'Église est apostolique. Et nous tous, si nous voulons être des apôtres, comme j'expliquerai, nous devons nous demander, est-ce que je prie pour le salut du monde? Est-ce que j'annonce l'Évangile? Voilà l'Église apostolique. C'est un lien constitutif que nous avons avec les apôtres. En partant donc de cela, je voudrais souligner trois significations de l'adjectif apostolique qui s'applique donc à l'Église. Premier, l'Église est apostolique puisqu'elle est fondée sur la prédication et la prière des apôtres, sur l'autorité qu'on leur a donnée par le Christ lui-même. Saint Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse, « Et donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes citoyens du peuple saint, membres de la famille de Dieu, et vous avez comme pierre angulaire le Christ lui-même. » Il compare, c'est-à-dire les chrétiens, à des pierres vivantes qui forment un édifice. Et cet édifice est l'Église. Cet édifice donc est fondé sur les apôtres comme des piliers, et la pierre que soutient tout est Jésus lui-même. Sans Jésus, l'Église ne peut pas exister. Sans Jésus, l'Église n'existe pas. Est-ce que vous avez compris cela? Jésus, et donc c'est la base même de l'Église. Les fondations de l'Église, c'est Jésus. Les apôtres ont vécu avec Jésus, ont écouté ses paroles, ont partagé sa vie, et surtout ont été les témoins de sa mort et sa résurrection. Notre foi, l'Église que le Christ a voulu, ne se fonde pas sur une idée, sur une philosophie. Elle se fonde sur le Christ lui-même. Et l'Église est comme une plante que tout le long des siècles s'est développée, a grandi, a donné des fruits, mais ses racines sont bien plantées, bien enracinées en lui. Et l'expérience fondamentale du Christ qui ont eu les apôtres, choisis et envoyés par Jésus, arrive jusqu'à nous. De cette petite plante à de nos jours, voilà, et donc l'Église pour le monde entier. Mais posons-nous la question, comment est-il possible pour nous de nous relier avec ce témoignage? Comment peut arriver jusqu'à nous ce que les apôtres avec Jésus ont vécu, ce qu'ils ont entendu de Jésus? Voilà la deuxième signification du mot apostolicité. Le catéchisme de l'Église catholique dit que l'Église est apostolique puisqu'elle garde et transmet, avec l'aide du Saint-Esprit qui habite en elle, les enseignements, le bon dépôt, les paroles saines entendues par les apôtres. L'Église garde tout le long des siècles ce trésor précieux qui sont les Écritures, la doctrine, les sacrements, le mystère des pasteurs, de façon à que nous pouvons être donc fidèles au Christ et participer à sa même vie. C'est comme un fleuve, une rivière qui coule dans l'histoire, se développe,
irrigue, mais l'eau qui coule est toujours celle qui part de la source. Et la source est le Christ lui-même. Lui est ressuscité, lui est le vivant, et ses paroles ne passent pas, parce que lui ne passe pas, lui est vivant. Lui, il est parmi nous ici aujourd'hui. Il nous entend. Lorsque nous parlons avec lui, il nous écoute. Il est dans notre cœur. Jésus est avec nous aujourd'hui. Voilà la beauté de l'Église, la présence du Christ parmi nous. Et le Christ est vivant puisqu'il est ressuscité. Pensons à l'importance de ce don que le Christ nous a fait. Le don de l'Église. Est-ce que vous pensez au fait que c'est l'Église dans son chemin tout le long de ces siècles, malgré les difficultés, les problèmes, les faiblesses, nos péchés? Et donc c'est l'Église qui nous transmet le message authentique du Christ, nous donne la sécurité que ce en quoi nous croyons est réellement ce que le Christ nous a communiqué. Dernière réflexion, l'Église est apostolique puisqu'elle est envoyée, donc mandatée pour porter l'Évangile au monde entier, continue dans le chemin de l'histoire, la mission même que Jésus a confiée aux apôtres. Et Jésus a dit quoi? Allez donc et faites des disciples toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voilà, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce que Jésus nous a dit, demandé de faire. Je reviens sur cet aspect du côté missionnaire, de l'aspect missionnaire de l'Église, puisque le Christ nous invite, nous tous, à aller à la rencontre des autres. Il nous envoie, il nous demande d'avancer pour porter la joie de l'Évangile. Encore une fois, posons-nous la question, sommes-nous missionnaires avec notre parole et surtout avec notre vie chrétienne, avec notre témoignage, ou alors nous sommes des chrétiens enfermés dans notre cœur, dans nos églises, chrétiens des chrétiens seulement avec des mots, mais qui vivent comme des païens. Mais nous devons poser cette question. Ce n'est pas un reproche. Moi aussi, je me le dis à moi-même. Comment je suis chrétien avec le témoignage vraiment? L'Église a ses racines dans l'enseignement des apôtres, des témoins authentiques du Christ, mais regarde toujours à l'avenir, à la conscience ferme d'être envoyé par Jésus, d'être missionnaire, en portant le nom de Jésus, avec la prière, l'annonce et le témoignage. Ou l'Église qui s'enferme à elle-même et dans le passé, ou une Église que seulement regarde les petites règles, les habitudes, d'attitude. C'est une Église qui trahit sa propre identité. Une Église enfermée trahit sa propre identité. Alors, nous devons redécouvrir aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, redécouvrons toute la beauté et la responsabilité d'être Église apostolique. Et souvenez-vous,
apostolique puisque nous prions tout d'abord et ensuite parce que nous annonçons l'Évangile avec notre vie et avec des mots, avec des paroles. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le Pape François. Chers frères et sœurs, l'Église est apostolique à cause de son lien profond et constitutif avec les apôtres choisis, appelés et envoyés par Jésus. Elle est fondée sur leur prédication, leur prière et sur l'autorité que Jésus leur a donnée. Elle est comme un édifice formé de pierres vivantes que sont les chrétiens, et dont la pierre angulaire est Jésus. L'Église est apostolique en ce sens qu'elle garde et transmet, avec l'aide de l'Esprit-Saint, l'enseignement, le bon dépôt, les saines paroles entendues des apôtres. Elle conserve la Sainte Écriture, la doctrine, les sacrements, le ministère des pasteurs, de telle sorte que nous puissions être fidèles au Christ et participer à sa vie. L'Église est apostolique car elle est envoyée pour porter l'Évangile au monde entier. Une Église qui s'enferme sur elle-même et sur son passé, trahit sa propre identité. Découvrons alors toute la beauté et la responsabilité d'être Église apostolique. Et maintenant, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones présents. Saluto con gioia tutti i fedeli di lingua francese, specialmente i pellegrini dell'isola di Riunione, l'associazione corale Son Chi del Belgio, e i numerosi giovani. Come gli apostoli di Gesù, possiate portare senza paura né vergogna il Vangelo a tutti i vostri fratelli e sorelle. Con le vostre parole e soprattutto con la vostra vita cristiana, siate sempre e dappertutto missionari pieni di forza e di gioia. Buon soggiorno a Roma. Je salue avec joie tous les francophones présents, particulièrement les pèlerins de l'île de la Réunion, l'association chorale Son Chi de Belgique et les nombreux jeunes. Comme les apôtres de Jésus, puissiez-vous porter sans peur ni honte l'Évangile à tous vos frères et sœurs. Par vos paroles et surtout par votre vie chrétienne, soyez toujours et partout des missionnaires pleins de dynamisme et de joie. Bon séjour à Rome. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you
their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in the Creed, we profess in faith that the Church is apostolic. We can understand this in three ways. First, the Church is apostolic because Jesus founded her upon the apostles whom he chose and sent forth to continue his work. Thus, St. Paul compares the Church to a temple, which has the apostles as its foundation and Christ as its cornerstone. The Church is also apostolic because she preserves and hands down the fullness of Christ's teaching and the means of salvation which he instituted. Finally, the Church is apostolic because she accomplishes in history the mission which Christ entrusted to the apostles, making disciples of all nations, baptizing them, and teaching them his commands. May we come to appreciate and love the Church as the place where we encounter the risen Lord, who sends us forth as his missionaries, inviting all whom we meet to know the truth of the gospel, the joy of faith, and the promise of eternal life proclaimed by the apostles. Rivolgo un saluto cordiale a tutti i pellegrini di lingua inglese presenti a questa udienza, specialmente a quelli provenienti da Inghilterra, Scozia, Danimarca, Norvegia, Israele, Ghana, Nigeria, Australia, Cina, Giappone, Corea, Trinidad e Tobago, Canada e Stati Uniti. Saluto in modo particolare la delegazione della NATO Defense College e ai pellegrini venuti dalla Norvegia. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore. I cordially greet all the English-speaking pilgrims present at today's audience, including those from England, Scotland, Denmark, Norway, Israel, Ghana, Nigeria, Australia, China, Japan, Korea, Trinidad and Tobago, Canada, and the United States. My particular greeting goes to the delegation from the NATO Defense College and the pilgrims from Norway. Upon all of you and your families, I invoke God's blessings of joy and peace. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père qui, vous avez entendu, a salué les fidèles de langue française, des fidèles de langue anglaise. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin Ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder.
Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Danach wird Papst Franziskus einen kurzen Gruß auf Italienisch an die Anwesenden richten. Liebe Brüder und Schwestern, im Glaubensbekenntnis bezeugen wir, dass die Kirche apostolisch ist. Damit bringen wir ihre tiefe, ursächliche Verbindung mit den Aposteln zum Ausdruck, jenen 12 Jüngern, die Jesus zu sich gerufen, die er bei ihrem Namen genannt und zur Verkündigung des Evangeliums ausgesandt hat. Die Kirche ist apostolisch, weil sie auf die Predigt der Apostel gegründet ist, weil sie auf ihrem Zeugnis vom Leben, Tod und Auferstehung Jesu Christi aufbaut. Die Kirche bewahrt dieses Zeugnis und gibt es weiter. Auch deshalb nennen wir sie apostolisch. Der Schatz, der ununterbrochen weitergegeben wird, besteht vor allen Dingen in der Heiligen Schrift, im Glaubensbekenntnis, in den Sakramenten und im Dienst der Hirten. Schließlich ist die Kirche apostolisch, weil alle ihre Glieder ausgesandt sind, das Evangelium in der Welt bekannt zu machen. Christus lädt uns alle ein, zu den Menschen zu gehen und ihnen die Freude der frohen Botschaft zu bringen. Saluto di cuore a tutti i fratelli e le sorelle di lingua tedesca, in particolare i tanti giovani, come le studente della Liebfrauenschule di Mühlhausen. Voi che state studiando, cercate di imparare da Sant'Agostino che ha detto «Credi per comprendere e comprendi per credere». Lo Spirito Santo vi accompagni nel vostro cammino. Der Heilige Vater hat die Anwesenden mit folgenden Worten begrüßt. Von Herzen grüße ich alle Brüder und Schwestern deutscher Sprache, besonders die vielen Jugendlichen, wie zum Beispiel die Schüler der Liebfrauenschule in Mühlhausen. Ihr, die ihr in eurer Ausbildung seid, lernt vom heiligen Augustinus, der einmal gesagt hat, Glaube, um zu verstehen, und verstehe, um zu glauben. Der Heilige Geist geleite euch auf eurem Lebensweg. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción. Et vous entendez, c'est au tour maintenant des fidèles de langue espagnole de saluer le Saint-Père. Queridos hermanos y hermanas, en el credo decimos que la Iglesia es apostólica, expresando así el profundo vínculo que tiene con los 12 apóstoles, a los que Jesús llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Apóstol es una palabra griega que significa mandado, enviado, y aplicada a la Iglesia puede tener tres significados. En primer lugar, la Iglesia es apostólica porque está edificada sobre el cimiento de los apóstoles, sobre su testimonio y sobre la autoridad que Cristo mismo le ha dado. En segundo lugar, la Iglesia es apostólica
porque guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella la enseñanza, el buen depósito, las sanas palabras oídas a los apóstoles. Conserva el precioso tesoro de la Sagrada Escritura, los sacramentos que nos permiten ser fieles a Cristo y participar de su misma vida. Y en tercer lugar, la Iglesia es apostólica porque en ella pervive el mandato misionero que el Señor confió a los apóstoles. La Iglesia continúa en la historia la tarea de llevar el Evangelio a todo el mundo. Dirijo un cordial saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, México y los demás países latinoamericanos. Invito a todos a ser testigos de Cristo resucitado y anunciar el Evangelio a todas las personas, en comunión con los obispos, sucesores de los apóstoles. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos quantos passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Queridos irmãos e irmãs, quando rezamos o credo, professamos que a Igreja é apostólica. Podemos entender a apostolicidade da Igreja em três sentidos. Em primeiro lugar, a Igreja é apostólica porque está fundada sobre a pregação dos apóstolos, que conviveram com Cristo e foram testemunhas da sua morte e ressurreição. Em segundo lugar, a Igreja é apostólica porque ela guarda e transmite, com a ajuda do Espírito Santo, os ensinamentos recebidos dos apóstolos, dando-nos a certeza de que aquilo em que acreditamos é realmente o que Cristo comunicou. Enfim, a Igreja é apostólica porque é enviada a levar o Evangelho a todo mundo. De fato, a palavra apóstolo significa enviado. Esta é uma bela responsabilidade que somos chamados a redescobrir. A Igreja é missionária e não pode ficar fechada em si mesma. Saluto tutti i pellegrini di lingua portoghese, in particolare i fedeli della parrocchia di Olival in Portogallo e i fedeli brasiliani di San José dos Campos, Santo e San Paolo. Cari amici, Gesù vi chiama a portare la gioia del Vangelo a tutti gli uomini e donne, come suoi autentici testimoni. Dio vi benedica a tutti. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue portugaise. Os fiéis da paróquia do Olival em Portugal e os fiéis brasileiros de São José dos Campos, Santos e São Paulo. Queridos amigos, Jesus vos chama a levar a alegria do Evangelho a todos os homens e mulheres como suas autênticas testemunhas. Que Deus vos abençoe a todos.
أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض سنة الإيمان نؤمن بكنيسة رسولية ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس إننا نعترف في قانون الإيمان بكنيسة رسولية أولاً لأنها أسست على كرازة الرسل وفوق السلطة التي منحت لهم من قبل المسيح ذاته والذي اختارهم ليمكثوا معه وليرسلهم للكرازة وليتمموا عمله وثانياً لأنها تحفظ وتنقل بأمانة وبمعونة الروح القدس الساكن فيها وديعة الإيمان التي تسلمتها من الرسل أي من أولئك الذين سمعوا كلمات المسيح وشاركوه الحياة وكانوا شهودا لموته ولقيامته من بين الأموات وثالثا لأنها تواصل في مسيرة التاريخ رسالة يسوع عينها التي عهد بها للرسل بأن يحملوا بشارة الإنجيل حتى أقاصي الأرض والآن تحية قداسة البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية Cari fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti dall'Iraq e dalla Giordania, confessare che la Chiesa è apostolica conferma che essa ha con gli Apostoli un legame profondo e costitutivo. Infatti, la Chiesa ha le sue radici nel loro insegnamento, vive il presente basandosi sulla roccia della loro fede e guarda al futuro riconoscendosi di essere come loro inviata e missionaria. Preghiamo affinché la Chiesa sia la fiamma ardente che conduce tutti a Cristo, via, verità e vita. La benedizione del Signore sia sempre con voi. الأخوات والإخوة الأحباء الناطقون باللغة العربية لا سيما القادمون من العراق ومن الأردن يؤكد الاعتراف بكنيسة رسولية على الصلة الوثيقة والتأسيسية التي تربط بين الكنيسة وبين الرسل فالكنيسة تجد جذورها في تعاليم الرسل وتحيا الحاضرة مرتكزة على صخرة إيمانهم وتتضلع إلى المستقبل بإدراك ثابت لكونها مرسلة ومبشرة فلنصلي من أجل الكنيسة كي تكون في العالم الشعلة المتقدة التي تقود الجميع إلى المسيح الطريق والحق والحياة لتكن بركة الرب دائما معكم Vous avez entendu le Saint-Père s'adresser aux fidèles de langue arabe.
Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue polonaise. Oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując z nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte chorobą i cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto skrót dzisiejszej katechezy. Drodzy bracia i siostry, wyznanie w credo prawdy, że Kościół jest apostolski, podkreśla jego głęboki, konstytutywny związek z apostołami, z tą małą grupą 12 mężczyzn, których Jezus powołał, by pozostali z Nim, by po zmartwychwstaniu mógł ich wysyłać na głoszenie Ewangelii. Kościół jest apostolski, ponieważ opiera się na nauczaniu apostołów i na władzy, jakiej udzielił im sam Chrystus. Apostołowie żyli z Jezusem, słuchali Jego słów, dzielili Jego życie, a przede wszystkim byli świadkami Jego śmierci i zmartwychwstania. Dzięki ich fundamentalnemu doświadczeniu, jakie przekazali potomnym, Kościół jest jak roślina, której korzenie są mocno osadzone w Chrystusie. Kościół jest apostolski, ponieważ zachowuje i przekazuje z pomocą Ducha Świętego, który w nim mieszka, nauczanie, dobry depozyt i zdrowe zasady usłyszane od apostołów. Kościół zachowuje przez wieki ten cenny skarb, jakim jest Pismo Święte, nauka, sakramenty, posługa pasterzy, tak, że możemy być wierni Chrystusowi i uczestniczyć w Jego życiu. Kościół jest apostolski, ponieważ jest posłany, aby nieść Ewangelię całemu światu. Kontynuuje na przestrzeni dziejów tę samą misję, jaką Jezus powierzył 12. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wysłuchajmy teraz pozdrowienia Ojca Świętego w języku włoskim. Saluti pellegrini polacchi. Oggi a Katowice si svolge un importante evento culturale e religioso, una sacra rappresentazione sulla vita e sulla spiritualità di San Francesco, con la partecipazione di centinaia di attori e migliaia di spettatori. Agli organizzatori e ai partecipanti auguro questo incontro artistico con il poverello di Assisi susciti nei cuori di tutti l'amore per Dio Creatore, il rispetto per il creato, la fattiva carità per coloro che necessitano dell'aiuto spirituale e materiale. Voi tutti qui presenti e i vostri cari affido alla celeste intercessione del Beato Giovanni Paolo II nel 35° anniversario dell'elezione alla cattedra di Pietro. E di cuore vi benedico. Sia lodato Gesù Cristo. Saint-Père, qui s'adressant aux fidèles polonais, a rappelé que le 35e anniversaire de l'élection au siège de Pierre de Jean-Paul II, et le Saint-Père qui a parlé aussi d'une manifestation culturelle et religieuse, une représentation sur la vie et la spiritualité de Saint François d'Assise, représentation qui se tient aujourd'hui à Katowice, en Pologne. Szacunek dla stworzenia i czynne miłosierdzie dla tych, którzy potrzebują duchowej i materialnej pomocy. Wszystkich was tu obecnych i waszych najbliższych zawierzam w stawiennictwu błogosławionego Jana Pawła II w 35. rocznicę wyboru na stolicę Piotrową i z serca wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana. C'est au tour maintenant des fidèles de langue italienne de saluer le Saint-Père. Vi esprimono. Vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini. Je salue les pèlerins de langue italienne. Saint-Père s'adressera maintenant à des fidèles venus de différents diocèses de la péninsule italienne. Saluto i fedeli della diocesi di Piacenza Bobbio, Faenza Modigliana, Bergamo, Fabriano Matelica, Forli Betinoro e Agrigento. Fidèles, accompagnés par leur pasteur, donc fidèles venus auprès du siège de Pierre à l'occasion de l'année de la foi. Je salue aussi les religieuses et tout particulièrement les agostiniennes missionnaires qui célèbrent le chapitre général, la fondation Raphaël, engagé au profit des enfants des détenus, les groupes paroissiaux, tout particulièrement les fidèles, GS et Bisceglie. Je salue aussi le personnel des différentes ambassade près le Saint-Siège et je le remercie pour leur travail précieux, les délégués du mouvement international de Quart-Monde, la veillée, la vigile de la journée pour le refus de la misère à l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation proclamée par les Nations Unies. Je vous souhaite à vous tous d'être renforcés dans votre lien avec le Christ et son Église. Et pour terminer, je salue les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de Sainte Marguerite Maria Alacoque, la dévotion au Sacre-Cœur de Jésus vous apprenne à vous, chers jeunes, et tout particulièrement aux adolescents de l'Institut Salésien Borgo di Roma et de l'Institut Smaldone de Salerne, à aimer comme lui aimait. Qui vous rendent fort, vous, chers malades, pour porter la croix de la souffrance avec patience et qu'elle vous soutienne, vous, chers jeunes mariés, pour construire votre famille sur la fidélité et le dévouement. Merci. Pater noster, qui es in celis, Grazie.
Dominus obiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nuncte tusque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à nos amis d'Imedia ainsi que CTV Sat 2000 pour ces images. Merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci à vous de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. En attendant, je souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.